Je vous attendais, sorceleur. Il nous faut tuer un monstre capable de couler des navires. Effrayé ? Non, mais il va nous falloir l'attirer sur la rive. Je m'en occupe. J'attends de voir ça. Ça promet d'être un spectacle intéressant. Attendez-vous à avoir les honneurs ? Les honneurs ? Une fois sur la berge, c'est vous qui tuerez ce... cette... créature. Vous avez trouvé d'où venait le Kairan ? Je n'ai pas cherché. Donc vous savez que c'est un mage qui l'a créé ? C'est ce que je pensais. Et alors ? Je dois me sentir coupable ? M'excuser à la place d'un fou ? N'y comptez pas. Mais comment l'avez-vous découvert ? J'en ai juste émis l'hypothèse. Triss affirme que le Kairan a été créé par magie. Elle a raison. Une créature de cette taille ne pourrait vivre décemment dans ces eaux. Selon moi, c'est le fruit d'une expérience bâclée. Il grandit très vite et va sûrement vieillir tout aussi rapidement. Si nous devons travailler ensemble, il faut faire plus ample connaissance. Vous croyez ? Très bien. Allez-y, posez-moi des questions. Triss et vous, vous êtes amis ? Amis. Des connaissances, tout au mieux. Je connais toutes les magiciennes du Nord. Pour tout dire, nous ne sommes pas nombreuses. Et c'est pourquoi nous nous entraidons. Qu'est-ce que c'est ? C'est impressionnant. Un mégascope. À quoi ça sert ? À exécuter des opérations magiques très complexes. Entre autres, à communiquer avec d'autres magiciennes. J'ai tout ce qu'il me faut. Allons-y. Excellent. Allons-y. Prêt ? Vous êtes maquillé ? On a tous nos rituels. Que je sache, les Kairan sont daltoniens. Assez, Geralt. Sortez donc cette bête de l'eau. Vous avez un tour dans votre sac ? Toujours. Ne vous faites pas dévorer et nous rentrerons en héros. J'espère que vous dites vrai. Descendez dans la tanière, puis attirez-le sur la berge. Je reste sur le pont. Faites attention. Même sur la terre ferme, il reste dangereux.